What's going on, guys? Et bienvenue pour Half-Life. Enfin non, je triche un peu. Nous allons jouer à Black Mesa, qui est disponible sur Steam et qui est une sorte de remake qui est fait par des fans de Half-Life premier du nom. Alors le jeu n'est pas encore totalement fini, il n'a pas été refait encore à 100%, mais il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, améliorées, tout ça. C'est très moderne. Le premier Half-Life, donc l'origine, est sorti en 98 quand même, donc on repart en 98 sur PC, Microsoft Windows, après il a été sur Steam en 2003, il a été aussi porté sur PlayStation 2 en 2001, donc là on est vraiment dans les vieux jeux et dans les premiers jeux PC qui ont un des jeux PC, comme par exemple Doom, qui a complètement bouleversé le monde du jeu vidéo, et on va en parler de pourquoi Half-Life est tellement important en fait dans la vie des jeux vidéo. Et il a marqué un moment où c'est que le jeu a fait un bond. Voilà, le jeu vidéo a fait un bond en avant. Et on va parler de ça. Et pourquoi en fait on prend Half-Life? Pourquoi? Parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai fait Dead Space et on parlait d'un personnage, donc Clark, Isaac Clarke, le personnage principal, qui ne parlait pas. Et ben là, et ben du coup, on fait la même chose avec Gordon fucking Freeman. Allez, nouvelle partie. Chapitre 1, après on a 2, 3, Black Mesa Inbound. Alors, si vous voulez regarder un peu les options, tout ça vite fait. Donc, bon, le truc est fait avec avec un très bon moteur graphisme, tout ça. Donc, Black Mesa est vraiment bien optimisé. Donc, si vous voulez voir un peu les options, vite fait. Parce que dans un sens, c'est un nouveau jeu. Il y a même du multijoueur, il y a des mods que vous pouvez rajouter. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec Black Mesa, donc c'est assez intéressant. En tout cas, nous, on va se concentrer sur l'histoire principale, donc Half-Life. Et on va parler de Half-Life. C'est parti. Alors, Half-Life... bon, là, on va avoir, bien sûr, une version optimisée, mieux, beaucoup plus belle et tout ça. Mais dans les grandes lignes, ça reste exactement comme l'original. Et l'original, tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous que vous connaissez. Donc, je voulais présenter dans un sens en même temps Black Mesa. En tout cas, Half-Life. Alors, pourquoi ça a aussi bien marché? Parce que tout comme Dead Space a un peu repris le même système, c'est-à-dire que vous incarnez un personnage, Gordon Freeman, donc un théoricien récemment diplômé, qui arrive au boulot, qui arrive tout simplement au boulot. Voilà, voilà. Y a rien à dire. On est là, on arrive dans... on est au Nouveau-Mexique. Ah, c'est vraiment classe. Le début dure assez longtemps, et c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, ça vous met dans l'ambiance. En tout cas, Putain, c'est vachement classe. Petite parenthèse, Black Mesa est très joli, hein. Très très bien fait ce mode de jeu dans un sens. Vraiment cool. Mais bon, comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de Half-Life, premier du nom. Donc vous incarnez Gordon Freeman, qui est... Oh, chargement, d'accord. Ça c'est un peu rude par contre, les gros chargements comme ça, mais bon, c'est pas grave. Vous incarnez une personne lambda, c'est pas un héros, c'est pas quelqu'un de très spécial, c'est juste un théoricien. Il travaille dans Black Mesa. Voilà, c'est tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus le temps de l'histoire avance, plus vous vous développez dans l'histoire, et plus ce personnage en fait va se transformer en sorte de héros. Et tout comme Isaac Clarke, c'est un peu la même chose. Le personnage ne parle jamais. On le voit jamais non plus. Je crois qu'on n'a pas de photo. En tout cas, dans le jeu principal, on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc on peut complètement s'identifier au personnage. On peut complètement vivre cette aventure. On ne vit pas son aventure, on vit notre aventure. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que Half-Life a eu un nombre incalculable de récompenses. C'était un jeu que tout le monde a adoré. Ce jeu était genre parfait. Il a fait un bond en avant dans le jeu vidéo. Il a poussé le jeu vidéo dans le bon sens. Et c'était vraiment parfait, quoi. Smoking, eating, or drinking
On va très profond en plus à chaque fois. C'est très très joli, hein. Putain, en tout cas, Black Mesa, ça vaut vraiment le coup. C'est très très joli, c'est très beau. Quand on arrêtera le tramway, il faudra que je change quelques contrôles parce que la souris est assez sensible. C'est super classe. Wow. Et tout ça, tous ces moments-là, là. Alors oui, c'est beau avec Black Mesa, parce que c'est pas le jeu qui a 30 ans. Mais, en fait, tous ces moments-là où c'est qu'on voit un hélicoptère, on voit un machin, on voit ce truc, tout ça, ça se passe hein, dans le jeu principal, dans le jeu originaire, hein, original. Donc Half-Life en 98, il y avait tout ça. C'est ça qui est magique, c'est ça qui est super bien fait avec ce jeu. Et je crois que si on rush pas, le... C'est pas un prologue, mais le début du jeu, avant que l'action commence, ça dure au moins 30-45 minutes. C'est long, c'est très long, mais ça vous met grave dans l'ambiance. Parce qu'il y a tellement de choses à regarder, tellement de choses à prendre en compte. Vous voyez que vous êtes dans un laboratoire souterrain. On va avoir plein de personnages. Ouh, c'est cool ça, c'est classe. Très classe. On va avoir plusieurs personnages avec qui on peut parler et tout ça. Il y a une grosse ambiance. Et ça, en fait, ça fait passer les minutes très très vite, en fait. C'est très très bien orchestré, très bien fait. Vous vous faites pas chier, c'est ça le truc. C'est pas genre le prologue qui dure une heure et que vous faites complètement chier tout le long, quoi. Gordon Freeman, 27 ans. Petite parenthèse, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Freeman's Mind, ça vient de Ross Scott, je crois. Il fait la voix de Gordon Freeman, c'est plutôt cool. J'utilise toujours ce mode dans XCOM. C'est en anglais par contre, mais c'est super drôle. Donc vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle Freeman's Mind. La conversation, c'est exactement la même que vous avez dans Half-Life. Ah, le robot aussi, on le voit. Waouh, il a l'air classe. Ah, trop cool. Trop trop classe. Et ce qui est sympa, c'est que tout le long du jeu, quand ça commence à partir en couille, tout ça, qu'il y a les aliens, machin, en fait, votre but, ça va être de partir, quoi. Votre but, ça va être de vous sauver, de sauver votre peau, et c'est tout. En gros, c'est tout. Alors oui, après, l'histoire devient un peu plus compliquée, tout ça, vers la fin. Mais en gros, vous voulez vous casser de cet endroit, quoi. Oh, il y a G-Man. Ouh la vache. Ah, ça y est.
Gordon, il travaille dans le secteur C. Et après, ils ont fait Half-Life 2, qui a repris en fait le même système, c'est-à-dire que le personnage ne parlait pas, Gordon Freeman, et encore une fois muet, complètement muet. Morning, Mr. Freeman. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Par contre, ce qui m'embête, c'est la... C'est la rapidité quand on se déplace. Mais bon, dans le premier, c'était pareil. Mais il n'y a pas une sorte de touche pour aller moins vite. On peut s'abaisser. Parce qu'en fait, je sprint. J'ai l'impression de tout le temps sprinter, en fait. Talk with personnel, ok. Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. on est en retard. C'est énorme. Parce qu'en fait, Freeman, dans les premiers... Ça, c'est une sorte de gros, de grosse conspiracy. Dans des screenshots de Half-Life, avant que le jeu sorte, ou alors... Ou certains screenshots spéciaux, où c'est que Freeman, en fait, avait une queue de cheval. Mais après, dans le jeu principal, il l'a pas gardé. Désolé parce que j'essaye en fait dans un sens de... C'est très dur ce que je fais. Je parle de l'ancien jeu de Half-Life et je joue à un nouveau jeu auquel j'ai jamais joué. Donc j'essaye de... Ah, on peut faire ça toujours ou pas? Oh! Non? What are you trying to do? Get me in the trouble? Murtaugh, come in. Yeah, I'm here. What the hell's going on? We had a little accident up here, sorry. Yeah, well, that better be the last accident you have today. Understood? I copy. Damn, Gordon. On pouvait le faire pareil dans Half-Life, dans le premier. Par contre, elle, je me rappelle pas. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Ah, oh. Bon, on est 30 minutes en retard. Good morning, Dr. Freeman. That the thermal protection system seems to be online now. Those TPS reports have gotten progressively worse. Oh, would you look at that? Freeman actually did. Tout le monde le connaît. Somebody here owes me lunch. Good morning, Freeman. C'est énorme. The sample was just sent down to the test chamber. Ah, ok. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah bon. Bonjour, regardez quoi. Oh, c'est les mêmes symboles, je crois. C'est You forgot to carry the two, or was it the three? C'est pas par rapport à la gravité, ce qu'ils sont en train de regarder, d'étudier. Je m'en rappelle plus. Bon, bref. Got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Oups. J'ai fait exprès. Je sais qu'on peut pas passer, mais j'ai fait exprès. Oh la vache, on peut sauter, on peut sauter. Ça va? Enfin voilà, Half-Life. Ça, au final, je vais faire que jouer le jeu, je vais même pas parler de l'ancien jeu en fait. On peut passer ou pas? Est-ce qu'on peut récupérer? Oh yes! Oups!
On pouvait faire ça aussi dans le premier Half-Life. C'était énorme, ça aussi, de pouvoir bouger les choses comme ça. Il est en train de répéter un truc. Ça va? Tu veux voir? Ouh. Ouh. On n'est pas trop aimé en fait. Eux, ils sont en train de s'engueuler, c'est bien. Ils nous aiment pas tous en fait, c'est marrant. Ah non, c'est pas là-bas. J'étais sur la bonne voie. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à Half-Life? Faites-le, prenez-le, si vous l'avez jamais fait, que vous compreniez un peu pourquoi ce jeu est aussi important dans la dans le monde du jeu vidéo, dans le l'histoire du jeu vidéo. Oh. Ah. Bah, c'est où qu'on la met la tenue? Mais j'en sais rien moi. Je sais pas. On visite. Ça va faire 20 ans que j'ai pas joué à Half-Life. Ah, c'est peut-être là-bas. Ah, la cuisinière. Ça va? Salut. Qui c'est qui a fait ça? You think you can fix the vending machine too, college boy? You best make like an atom and split. That was you know who's lunch. Tiens, tu veux une canette? C'est énorme. Can you access the mail server? C'est énorme. Gordon, you've already done enough damage here. Get to work. Oh, ça va. Si on peut pas s'amuser, merde. On avance. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Ah, ça aussi, c'est une sorte de blague parce que Freeman. Freeman, il a pas de cravate. Apparemment, il a un gosse. Ça, c'est son degré. Il n'y a rien en fait dedans. Son degré, son certificat. Ouh! Ouh, ouh, ouh! Yeah! Oh, la musique, cool. Ah, c'est stylé.